Alors merci de me donner la parole et à mon tour de remercier les organisatrices et en particulier Mélodie Faury qui m'avait contactée. Donc voilà pour si je voulais participer à cette table ronde et ces retours d'expérience donc autour des activités de blogging. Alors en ce qui me concerne, je vais vous parler d'une expérience qui n'est pas une expérience de blog personnel de chercheur, mais d'animation d'un blog donc avec une collègue. Dans un contexte un petit peu particulier. Mais avant que je n'aille sur cette expérience en particulier donc de blogging sur ce carnet qui s'intitule Public en question et dont vous avez là une copie d'écran, je voudrais revenir quand même un tout petit peu sur ce qui a pu m'amener à cette activité. Donc je vous parlerai dans un premier temps donc du contexte de mon entrée en blogging, en quelque sorte, assez vite. Et vous pourrez apprécier que c'est assez différent peut-être de ce que je vais présenter par la suite. Donc il y aura une petite disjonction, mais volontaire. Ensuite, je vous présenterai donc ce carnet et donc ce que j'y ai fait et donc mon retour d'expérience hein, sur ce carnet. Et puis je conclurai sur quelques observations qui sont nées en fait de ce retour sur cette expérience et dont l'occasion m'a été en particulier donnée par Mélodie Faury à travers donc une enquête, un entretien donc qu'elle m'a fait passer en quelque sorte. Voilà. Alors moi, mon intérêt pour le blogging, il est lié au départ à ma discipline et à ma spécialité, puisque je suis chercheur en information communication. Et donc, c'était assez lié à mes domaines de spécialité d'enseignant-chercheur, parce que la documentation, l'information, la communication scientifique sont à la fois des thèmes et des domaines d'enseignement, en ce qui me concerne depuis pratiquement toujours, et également des domaines de recherche, puisque je travaille plus spécifiquement sur les pratiques de communication scientifique, surtout les rapports des chercheurs, donc à leur pratique d'écriture et en particulier dans des environnements en mutation numérique bien entendu mais pas seulement liés à un certain nombre de dispositifs qui sont des dispositifs structurants de la recherche aujourd'hui, que ce soit les appels à projets, que ce soit les formes d'évaluation aussi de la recherche, etc. Alors donc je m'intéressais à ces nouvelles pratiques et j'ai été tentée à plusieurs reprises d'ouvrir mon propre blog et je ne l'ai pas fait pour diverses raisons ou diverses mauvaises raisons certainement, les fameux manque de temps, pas de réelle motivation pour un blog personnel, ce qui peut être me concernant un peu paradoxal, je pourrais y revenir, mais j'ai toujours donné plutôt la préférence à des collaborations ponctuelles dans des blogs et pour des participations à des espaces que je considérais à l'origine comme étant moins auto-centrés et plutôt me laisser happer par des propositions hein, de collègues, d'amis, etc. Et c'est ainsi que j'ai pu donc donner des billets dans différents types de blogs qui sont sur les carnets, que ce soit sur le blog donc Réflexivité, où j'avais donné un texte sur le déplacement dans le cadre de la recherche, le fait que faire de la recherche, ça n'est pas simplement être devant son ordinateur, écrire ses articles ou être sur un terrain d'enquête, mais c'est aussi se déplacer ici et là, à des séminaires, vers d'autres équipes. Et c'est dans ces déplacements que je trouvais une véritable... Il y avait une poétique du déplacement, selon moi, dans la recherche, qui fait survenir, advenir des idées, des hypothèses de travail, au-delà même des rencontres, mais simplement parce qu'on se projette sur des rencontres scientifiques et parce qu'on en retire aussi des éléments tout à fait utiles. Alors, quel que soit le motif, dans tous les cas, écrire pour un blog a été à chaque fois pour moi l'expérience de faire un pas de côté
dans l'activité de chercheur, parce que c'est bon, ça a pu être dit déjà ici et là, et chacun le ressent, l'activité de production classique est assez normative et nous oblige à rentrer dans certains un ensemble de codes et de règles que nous, auxquels nous acceptons volontiers. Ça fait partie de notre jeu. Mais avec le blog, mon idée, c'était plutôt d'essayer, en écrivant des billets pour des blogs, de faire entrer le sensible au sens qu'en donne notamment l'historien Alain Corbin, le sensible dans le travail de réflexivité du chercheur. Et donc essayer de donner une place, sa place à ce sensible, dans une approche que je trouvais par ailleurs souvent confisquée, en tout cas conduite, presque confisquée, donc par une approche quelquefois un peu normative, non seulement de l'écriture de recherche, mais surtout de l'élucidation a posteriori d'un parcours de recherche. Je veux dire par là que très souvent, on peut même avoir une injonction à revenir sur nos parcours, ce qui est le cas dans une carrière académique à plusieurs reprises, et cette injonction même crée des normes, des codes qui, d'une certaine manière, sont contradictoires, en tout cas nous mettent dans une injonction paradoxale. D'être à la fois spontané et en même temps de se conformer à un certain nombre de règles. Et donc pour finir, le blog me paraissait aussi, pour finir sur le contexte, le blog, écrire dans des blogs me paraissait intéressant aussi dans la mesure où, et cela a déjà été dit aussi, faire apparaître un peu la fabrique du chercheur, voir un petit peu comment les idées sont venues à nous, dévoiler, il ne s'agit pas forcément de dévoiler, mais en tout cas donner à voir des façons de faire, des interrogations, en effet, bref, la fabrique du chercheur, ce qui a déjà été dit, et ce que l'on ne peut pas faire, en tout cas, de cette manière-là, et l'écrire de cette manière-là, bien entendu, dans les articles et publications classiques. Dernière chose, c'est... mais bon, je vais peut-être passer parce que le temps nous étant compté, je pourrais éventuellement y revenir. Alors, ce carnet public en question, comment y suis-je rentrée ? Alors, d'abord, ça, vous le voyez, c'est intitulé, c'est un carnet de recherche, donc du Centre de recherche et d'études sur les médiations, qui est donc une unité de recherche d'appartenance que j'ai rejoint en 2014. Et qui est donc mon unité de recherche au sein de laquelle je dirige une équipe. Mais ce blog est un carnet de recherche, un carnet de programme scientifique, c'est-à-dire qu'il a été initié dans le contexte donc, du programme scientifique du CREM tel qu'il s'est développé de 2014 à 2017. Et qui avait pour ambition, pour objectif, de traiter des publics. Donc le blog s'appelle « Public en question », puisque le programme scientifique de ce centre de recherche, c'était un programme intitulé « Faire public », donc une interrogation multidisciplinaire sur la question des publics. Alors, voilà. Alors, je vais vous faire un petit historique, vous présenter le projet éditorial rapidement, quelle en a été l'animation et quel est l'état du blog aujourd'hui. Alors, l'objectif de départ de ce blog en 2015, même si le programme scientifique avait commencé un petit peu avant, c'est l'idée. Du laboratoire, de l'unité de recherche à l'époque, c'est d'articuler un bloc de recherche donc à ce programme scientifique pour différentes raisons. D'abord, pour proposer des nouvelles formes de diffusion et de valorisation de la recherche en cours. Et il y avait bien cette idée de recherche en cours, hein, d'accompagnement d'une recherche en train de se faire, donc d'un programme en cours de pas d'élaboration, mais de vie, hein, et de créer un espace d'échange et de discussion autour de l'actualité des recherches sur les publics, mais pas une actualité qui serait seulement l'actualité de l'équipe, hein, du CREM, hein, donc de ce programme scientifique, mais aussi de tout ce qu'il appelle, et donc actualité des recherches sur les publics, même hors du laboratoire. Alors, c'est une incitation qui est venue très clairement de la direction de cette unité de recherche.
Alors, donc là, je passe très vite, puisque bien entendu, c'est un blog qui est hébergé donc sur la plateforme Hypothèse depuis 2015. Et vous avez là une capture d'écran d'origine, hein, de 2015. Ce n'est pas ce, à part le bandeau, bien sûr, qui est resté le même, mais évidemment, les visuels et les articles, évidemment, ont changé. Et bon, ça a été développé sur cette plateforme. Et c'est un blog que je co-anime avec une collègue, Angeliki Monnier. Alors, pourquoi deux personnes? Pourquoi elle et moi? Eh bien, parce que lorsque cette proposition de créer un blog qui va accompagner un programme scientifique a été émise par la direction du CREM, eh bien, des sollicitations, nous avons été sollicités, Angeliki et moi, pour animer ce blog, probablement pour un certain nombre de raisons, bon, pas forcément lieu de développer ici, et nous avons accepté d'emblée, mais nous avons eu carte blanche pour faire ce blog. C'est-à-dire, c'est un carnet. Là, je souhaite marquer cette chose, c'est-à-dire que c'est une commande en quelque sorte, hein. Il y a une commande de blog de institutionnel de la part de la direction, mais on a carte blanche pour le faire. Alors après, dans la réalité des choses et l'évolution évidemment du éditorial du carnet, et il y a eu des discussions, des négociations qui ont fait que on n'a pas tout, on a pu avoir des points de vue qui différaient. Alors le projet éditorial, c'est bien d'essayer de donner plus de visibilité à l'actualité de la recherche sur les publics, partant du principe ou d'un constat que les publications classiques touchent un certain type de public, mais nous souhaitions évidemment le diversifier, l'ouvrir de manière beaucoup plus large, à différentes échelles, et surtout donner une part beaucoup plus importante aux recherches émergentes, qu'elles soient externes ou internes au CREM, comme je l'ai dit tout à l'heure, et surtout aussi valoriser des points de convergence entre des chercheurs qui ne se connaissent pas, qui sont de disciplines variées, puisque si notre laboratoire de recherche, le CREM, est une équipe prioritairement en infocom, c'est une unité interdisciplinaire et multidisciplinaire, puisqu'on a aussi des chercheurs en sciences du langage, en art, etc. Mais au-delà du CREM, nous souhaitions donc happer en quelque sorte des recherches sur les publics qui s'élaboraient en même temps. Alors, quel projet éditorial proposer pour essayer de répondre à ces objectifs? Alors, notre idée, c'était d'abord de donner la parole à des chercheurs invités, des chercheurs invités donc dans notre entourage ou non connus de nous, mais donc pour lesquels on a fait une veille, des jeunes chercheurs, des doctorants, bien entendu, et également des publics divers via les commentaires. Alors, là, je dois dire d'emblée que les commentaires ont été quasi inexistants. Hein, pour le moment, on n'a pas exactement l'explication précise, mais là aussi, on pourrait en discuter. Comment également, pas simplement à travers des collaborations, mais en incitant, en mettant sur pied en quelque sorte un projet éditorial particulier, qui reposait à la fois sur le fait qu'on privilégie les formats courts. Des billets de 6 000 signes maximum. Dans la recherche, ce n'est pas toujours facile et on l'a vu à de nombreuses reprises avec des contributeurs qui ont eu du mal à se conformer à ce 6 000 signes parce que simplement c'était leurs premières écritures de blog ou bien parce que ça n'était pas forcément leurs premières écritures de blog, mais ils voulaient essayer d'en dire plus et plus longuement. Également, construire ce projet éditorial autour du fait qu'on va varier des angles d'approche et qu'on ne va pas être uniquement sur un type d'approche des publics, qui peut être par exemple strictement une approche communicationnelle ou strictement sociologique, mais véritablement faire circuler des
des spécialités, et puis trouver des sujets inédits, parce que les chercheurs ont leurs propres objets de recherche, ont leur propre terrain. Le programme était construit évidemment sur la base d'un certain nombre d'axes, mais l'idée, c'était aussi de faire émerger, par l'écriture de recherche différente, des sujets qui seraient inédits, et bien entendu aussi proposer des visuels pour que ces éléments soient attractifs et donc perçus de manière et appropriés de manière différente. Ouais. Alors, le bilan, bon, là je passe, on a eu un certain nombre d'indicateurs qui nous ont permis de voir comment fonctionnait ce carnet de recherche, en quoi il a été suivi et quelles en ont été aussi les limites. Bon, puisque comme je vois que l'heure tourne, je suis obligée de faire très très court. La question structurante, c'est qu'à partir de 2016, il a fallu faire évoluer le contenu de ce blog, puisqu'il s'agit d'un blog, d'un programme de recherche. Comme tout programme de recherche, il s'est achevé. Donc la question a été... Que faisons-nous de ce blog? Est-ce que nous le maintenons avec, bien que le programme scientifique ne soit plus prioritaire puisque nous sommes passés à un autre programme, ou bien est-ce que nous allons le clôturer, l'archiver, éventuellement, puisque ce sera un blog, donc, puisque c'était un blog dédié à un programme de recherche qui, de fait, est achevé. Alors, dans un premier temps, il y a eu une période transitoire où on a essayé de faire un observatoire de la recherche sur les publics, c'est-à-dire ouvrir de manière plus large en se détachant du programme, diversifier encore plus les contributions, notamment avec une ouverture vers nos étudiants, des étudiants notamment de master qui ont été extrêmement intéressés à pouvoir participer à ce blog, notamment à travers une rubrique qui s'appelle Futur Pro et où nous donnons la possibilité à des étudiants, pas seulement doctorants, mais également masterants, de s'initier à l'écriture de blog, au blogging, et à partir du moment, évidemment, où ils travaillaient sur des thématiques ou des objets approchant les publics. Et puis aussi, continuer de susciter des envies d'écriture au sein du CREM et renforcer la visibilité aussi par les référencements, qu'ils soient naturels ou numériques, bien entendu. Alors, ce qui nous a intéressé, ma collègue et moi, parce que nous en avons longuement discuté, c'est le travail créatif, c'est-à-dire le choix de rubrique, et c'est là que le choix de rubrique innovante, c'est là qu'il faut bien préciser cette tension entre cet effet de commande du blog et cette possibilité de concevoir véritablement le blog comme nous en avions envie. C'est-à-dire, par exemple, chercher des rubriques qui ne sont pas forcément immédiatement parlantes, un peu métaphoriques, un petit peu elliptiques, pour susciter des envies d'écriture. Et puis, mais ceci a signifié un gros travail de médiation, parce qu'il faut pouvoir expliquer ce que nous attendons des billets dans les différentes rubriques, etc. Et cette activité, elle est à la fois extrêmement stimulante, parce que ça oblige à préciser ce pourquoi on travaille, pourquoi on recherche les auteurs, comment on va entrer en conversation avec eux, justement, pour les faire écrire sur le blog, etc. Mais c'est aussi extrêmement prenant, et comme chacun le sait, ça n'est pas forcément immédiatement reconnu. Mais nous avions un réel engagement n'avait pas été forcé. Voilà. Alors aujourd'hui, les avancées, ce que l'on peut dire, c'est que le carnet a essaimé, puisque au sein même de notre unité de recherche, ce carnet fait partie d'un ensemble où il y a plusieurs carnets de recherche. Il y a 6 carnets de recherche actuellement. Les carnets sont répertoriés dans la rubrique production du site web de l'unité de recherche, aux côtés des publications reconnues, ce qui envoie un signal fort aux collègues enseignants-chercheurs comme aux doctorants, un signal fort sur le fait que le carnet est une production à part entière et que nous tenons très clairement à la défendre comme telle. Des chercheurs ont découvert le blogging parce que ça n'est toujours pas gagné. J'ai autour de moi et au quotidien des collègues qui ne
soit ne souhaitent pas, soit ne veulent pas, soit ne reconnaissent pas une quelconque validité à cette pratique. Et c'est aussi extrêmement satisfaisant de voir que les étudiants ont apprécié d'être intégrés à des activités de recherche qui sont un petit peu différentes du séminaire, etc. Mais des difficultés évidemment non résolues demeurent. C'est la difficulté de maintenir un carnet qui est lié à un programme désormais achevé. Bon, ça c'est peut-être pas forcément une difficulté. Enfin, en tout cas, nous institutionnellement, ça peut en être une. Et puis un certain essoufflement de fait des animatrices, donc ma collègue Angéliki et moi-même, parce que voilà, c'est extrêmement prenant et nous n'avons pas de collègues pour reprendre, qui ne nous ont pas assaillis pour reprendre le flambeau. Pour conclure, et je reprends donc l'autre ordinateur, excusez-moi juste 2 secondes. Voilà, je voulais juste faire quelques remarques à l'issue donc de ces, notamment de ces entretiens, puis du fait d'être revenu sur cette expérience. Je voudrais, sur les motivations. On a constaté dans ce blog-là que ce soit celle des contributeurs comme que ce soit les nôtres, que les motivations à suivre, à animer le blog, elles suivent un petit peu la courbe classique de motivation d'un projet, c'est-à-dire d'abord une forte progression d'intérêt, puis une relative stabilité, puis une décrue. C'est un petit peu difficile de ce point de vue de continuer à susciter l'intérêt quand la motivation même de soi-même peut se relâcher un petit peu. Deuxième remarque que je voulais faire, c'est qu'à la différence des blogs personnels qui peuvent jouer sur d'autres ressorts motivationnels qui sont assez spécifiques, ce carnet-là de programmes scientifiques, même personnalisé par ses auteurs, ma collègue et moi-même, il reste premièrement marqué par les orientations de l'équipe, nécessairement, donc ça reste un carnet de laboratoire de ce point de vue-là. Et d'autre part, il est lié au cycle de vie du programme, comme je l'ai dit. Et troisièmement, il est relativement contraint par des règles scientifiques liées au programme de recherche et éditorial. Même si nous les avons co-construites. Il y a eu une remarque sur le désir de créativité et d'innovation qui était le ressort prioritaire du lancement de ce carnet. Il s'agissait véritablement non seulement d'accompagner la recherche en train de se faire, mais aussi d'être innovant. Or, nous sommes en 2019, début 2019. De fait, le contexte n'est pas le même qu'au début de ce carnet ou en 2012, comme l'a dit comme a dit Caroline, c'est bien ça, tout à l'heure. Bon, on est dans un contexte d'existence. Il y a un volume de carnets qui existe, qui fait que on se positionne différemment. Et donc trouver sa place, trouver la place pour son carnet, qu'il soit un carnet collectif, un carnet de terrain, de laboratoire, d'unité ou personnel, ça n'est pas la même chose aujourd'hui que trouver sa place il y a 5 ans ou 6 ans, bien sûr. Et ça joue lorsqu'on discute avec les collègues sur les motivations. Et dernière chose, il y a peut-être aussi un petit retour au normatif, c'est-à-dire que pour avoir regardé un certain nombre de blogs, il y a des effets de normativité du blogging. C'est-à-dire qu'il y a des façons de catégoriser les billets, il y a des façons de les référencer, il y a des façons de les taguer qui, de fait, peuvent un petit peu circonscrire la créativité, un petit peu l'enfermer là où elle avait pu se développer il y a quelque temps. Je suis un petit peu dans l'entre-deux, sur le pont à bascule, si je puis dire. Et du coup, c'est d'autant plus difficile d'inciter des collègues à rallier ce type de dispositif ou d'expérimenter puisqu'on peut aussi donner des arguments comme quoi les choses ne sont pas si simples. Mais pour finir, et c'est ma dernière phrase, ce qui est très intéressant, je crois, en tout cas, ça c'est mon retour personnel, parce que je ne veux pas parler à la place de ma collègue, le blogging scientifique, enfin le fait d'avoir tenu ce type de carnet, a réinjecté du blogging dans mon écriture de recherche classique et notamment d'articles. Donc là, ça rejoint aussi ce qui a pu être dit auparavant. Voilà, je vous remercie de votre attention. Thank you.